je vous raconte quand même la mort de Piaf, parce que c'est incroyable. Oui. Et pourquoi on nous racontait ça ce week-end dans le Parisien d'ailleurs? C'était un très bon article signé Rosalie Lucas. C'est parce que Piaf aurait eu 99 ans ce week-end. Si j'allais dire si elle n'avait pas eu d'accident entre Grasse et Paris. Non, puisque elle est partie. Elle était hélas déjà décédée. C'est pas légal, aujourd'hui on aurait des ennuis de faire ça, je pense. Ah, vous pensez? Oui, parce qu'il faut payer d'un département à l'autre quand on transporte à mort, ça coûte cher. Vous avez fait, vous, Daniel? Mon mari? Oui. Ah, moi, je l'avais mis dans une urne cassable. Alors, le problème, c'est de trimballer une urne cassable quand on veut pas la casser. Sinon, j'achetais un pot à cornichon, je voulais lui offrir. Je voulais exécuter ses... Vous venez pas dire duquel vous parliez, hein. Et puis, j'ai fait le voyage, j'ai pris le train avec mon mari dans une urne cassable. Cassable. Et on m'avait dit de le mettre dans un sac tati ou autre, pour pas que si j'avais eu un beau sac Vuitton, machin, qui m'aurait dit, vous piquer on piqué le sac et on piquait mon mec. Vous parlez de Georges Filliou, évidemment. Oui. C'est quand même formidable d'avoir travaillé pendant plusieurs années au ministère avec tonton et de finir dans un sac tati. Oh, mais vous n'êtes pas si malade que ça, monsieur Ruquier. Non, mais franchement... Et alors? Eh bien, j'ai réussi à le... j'ai fait le voyage. Ouais. Paris, jusqu'où? Avignon. Oui, parce qu'on a pris le TGV. Le problème, c'est que j'avais un chien. C'est peut-être la dernière fois qu'il y avait une socialiste derrière une urne. Oh, quelle forme! En vérité, un peu de sang, j'en ai gardé un tout petit peu chez moi en arrivant pour dans le midi. Le problème, c'est que ça... Non, mais sincèrement, il ne faut pas le faire parce que ça ressemble un peu à du sel de Guérande. Donc, ne vous trompez pas. Mais je vais t'expliquer un truc. T'aurais dû le mettre au pied de tes rosiers parce que les cendres, ça empêche les limaces de venir. Mais je suis pourtant là. Est-ce que vous avez essayé de le mélanger avec un peu de Jacques Martin? Non, parce que Jacques Martin ne s'est pas fait incinérer. Ni Brel, ni les autres. Non, mais il lui en mais manque. Est-ce que vous ririez autant de vos ex à vous? Franchement, vous êtes pas gentil. Moi, je trouve qu'elle est formidable. On adore Daniel, c'est pour ça qu'on se permet. Ouais, mais quand même, il s'agit de son ex-mari qu'elle adorait. L'ai adoré, mais justement, j'ai voulu respecter son vœu. J'ai gardé un mois. En plus, mon mari, qui était socialiste, j'ai demandé avec qui il était. Avec des gens qu'il connaissait pas. Il les met en rang. Ah bon? Sur une étagère. Mmh. Et moi, je dis, mais c'est impersonnel. Avec des gens de droite. En plus, il avait mis mon poche. Paul, vous voyez ce qui vous attend? C'est dit, au Panthéon, quand Voltaire a vu Jean Moulin arriver, il s'y merde, un mec de droite. Eh bien, je vais vous dire, j'ai cassé l'urne sur le pont Julien, à Bonnieux, et... Ça vous a libéré. Et mes amis criaient, le couvercle, le couvercle, parce que je voulais pas tout jeter, je voulais garder quelque chose. Ah non, j'ai fait le discours, parce que j'avais... Eh ben, ils ont pas dû se faire chier. J'avais mon mari entre mes cuisses, J'avais l'urne entre mes cuisses, voulez-vous que je la mette? J'avais peur qu'elle tombe, c'était un pont qui était un pont. Pour une dernière fois, elle a bourré l'urne. Et j'ai jeté les cendres, et il y avait des petits poissons dans l'eau. Maintenant, il n'y a que des petits poissons socialistes. Elle est mignonne.